Chers candidats et candidates, je rappelle que nous sommes toujours en étude de la poésie et dans un premier temps, nous avons eu à l'analyser par rapport à une approche définitionnelle. Donc, nous avons retenu une définition de ce genre littéraire. Puis, nous avons eu à en dégager des caractéristiques essentielles, ce qui donc fait la particularité de ce genre littéraire par rapport aux autres. Nous avons eu également à en dégager les sources, c'est-à-dire les axes qui inspirent le poète, qui inspirent donc la poésie. Et donc, dans une deuxième étape, nous allons nous entretenir sur les fonctions de la poésie. Alors, à retenir donc l'analyse que nous avons faite des sources d'inspiration donc de la poésie constitue un préambule ou même un préalable, c'est-à-dire une entrée en matière pour mieux comprendre les différentes fonctions que ce genre littéraire s'assigne. Donc, les missions que se donne la poésie comme genre littéraire partent ou bien reposent sur les sources d'inspiration, les canaux d'inspiration du poète que nous avons dégagé. À rappeler que nous avons dit que la poésie peut avoir comme source d'inspiration la divinité. Donc la poésie peut être un souffle, peut émaner d'un souffle divin. À rappeler également que la poésie peut émaner de la personne du poète, du moi du poète. À rappeler que la poésie peut être inspirée par l'environnement extérieur du poète, c'est-à-dire la société, ou encore la poésie peut faire l'objet plutôt de l'imagination du poète. Donc ces quatre sources d'inspiration nous permettront de comprendre les différentes missions que s'assigne le poète. C'est pour parler donc de la dimension, plus précisément de la vocation esthétique de la poésie. Donc nous allons là analyser la poésie esthétique. Et pour en parler, nous allons reconnaître que, de manière générale, la création littéraire est en elle-même synonyme de beauté, par la magie des mots, par souvent le choix des mots, par la disposition des mots, de manière générale, la littérature. Mais cette vocation artistique de la littérature est plus remarquable dans le domaine de la poésie. Et donc, je disais que la fonction lyrique est une fonction par excellence de la poésie, mais on peut également dire que la fonction esthétique est une fonction dédiée de la poésie. Puisque tout au départ, nous avons défini la poésie comme étant un art du langage. Et donc, souvent, je le disais, quand on dit de façon très ordinaire de quelque chose que c'est un art, souvent on sous-entend que c'est beau. Et alors, donc, cette fonction esthétique de la poésie est une fonction dédiée. Pour en parler, il faudrait donc reconnaître que dans son sens originel, comme je le rappelais tantôt, la poésie est quête, c'est-à-dire recherche du beau. On pourrait même dire que la poésie se confond avec le beau. Autrement dit, le poète a pour mission de valoriser ce don des dieux, ce don du ciel. Comment? À travers un exercice d'affinement des mots, un exercice d'affinement des vers. Il cherche à rendre beau, à rendre fin ces mots, ces vers. Et donc, une telle volonté du poète est confirmée par le rôle que Musset, Alfred de Musset, assigne au poète, donne au poète. Il dit, Musset, que les poètes doivent, je le cite, faire une perle d'une larme. Je réitère, faire une perle d'une larme. Donc, pour dire tout simplement qu'à partir de la larme, qui en réalité est quelque chose d'indésirable, qui n'est pas du tout synonyme de gaieté, le poète devait pouvoir faire ressortir une perle qui incarne la beauté.
Il importe donc de retenir à ce propos donc que l'objet ou la finalité de la poésie esthétique, c'est la poésie elle-même, c'est-à-dire la poésie qui privilégie le travail de la forme en rapport avec l'inspiration, bien entendu. Et c'est cela d'ailleurs, c'est cette finalité, c'est cette mission que confirme le principe parnassien, le courant parnassien, de l'art pour l'art. Cette expression est un peu le leitmotiv du courant parnassien, l'art pour l'art. Que faut-il comprendre par là? C'est que le poète devrait produire alors, dans cette dynamique esthétique, une œuvre dont la seule motivation serait le culte du beau. Autrement dit, donc, il doit remplir, le poète, une mission qui répond à des considérations d'ordre artistique, des considérations purement artistiques. Et c'est cela qui amène Aimé Césaire, poète de la négritude, à soutenir que la vérité poétique a pour signe la beauté. La vérité poétique a pour signe la beauté, nous dit Césaire. Dès lors, il importe de retenir que ce qui intéresse le poète dans une dynamique esthétique, c'est davantage la beauté de son art, c'est le plaisir esthétique qu'il peut en tirer, que le lecteur peut en tirer. Donc, il a pour souci de donner à son œuvre une forme qui soit éternelle, une forme périssable, parce que tout simplement, son œuvre serait belle, sortirait belle. Son œuvre serait de l'art et une œuvre d'art souvent traverse tous les âges, tous les siècles. C'est ainsi donc que le poète recherchant la beauté, l'esthétique, se fait esthète. Il se fait esthète, c'est-à-dire, plus simplement, il se fait un magicien des mots. Il se fait un sculpteur ou un ciseleur des formes. Il se fait un artisan de l'harmonie rythmique ou sonore. Rappelons-nous tout à l'heure les vers qui nous ont servi de corpus, fruits mûrs à la chair ferme, savants aux horizons purs, tam tam sculpté, tam tam tendu. Donc là, Senghor est donc ce magicien-là des mots, ce sculpteur, voyez, des mots qu'il a bien taillés, donc l'artisan du rythme. Et d'ailleurs, cette conception poétique justifie donc la position de Théophile Gautier. Tout à l'heure, j'ai parlé du courant parnassien. Théophile Gautier, donc, qui définit le beau comme étant un principe fondamental et un principe incontournable en matière d'art et en matière de poésie précisément. Et c'est cela qui a amené François Malherbe, un poète français, à penser d'ailleurs que un bon poète n'est pas plus utile à l'État qu'un joueur de quilles. Donc, pour dire que le poète n'a pas à attendre des dividendes, il n'a pas à attendre d'être applaudi, il cherche juste à ce que son œuvre soit belle. Et donc, lorsque l'œuvre poétique est belle, elle s'écarte de tout engagement social, politique ou encore religieux. Elle apparaît comme une chose inutile. Autrement dit, le poète n'apporte rien à la société. Il n'écrit pas pour s'engager dans les luttes sociopolitiques, mais plutôt pour travailler ses vers et atteindre une perfection formelle. C'est tout. Et pour finir avec cette fonction esthétique, nous convoquons Boileau plutôt Gautier plutôt, dans son poème, autant pour moi, Théophile Gautier, dans son poème, l'art, lorsqu'il donne des recommandations par rapport à ce que devrait être l'art en général, mais la poésie en particulier. Il voudrait que la poésie apparaisse donc comme une peinture, que la poésie apparaisse belle comme la musique. En tout cas, que le poète se fasse artiste et rien d'autre. D'ailleurs, Boileau donne de son côté des recommandations. Boileau, poète classique, écrivain classique, lorsqu'il dit
à l'écrivain de façon générale et le poète y compris, hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. Donc, comme quoi, le poète doit se mettre à travailler la forme de son œuvre pour qu'elle reste belle et dégagée de toute préoccupation sociale, politique ou religieuse. Et justement, le prétexte est éloquent d'ailleurs, lorsque nous parlons donc de la poésie esthétique qui devrait se détourner de toute préoccupation sociale, politique ou encore religieuse, pour dire que la poésie peut paraître désintéressée, peut paraître inutile. Et donc, dans le prolongement justement d'une telle attitude du poète qui peut tourner le dos au monde, qui peut tourner en tout cas le dos aux questions sociales, politiques, le poète peut justement tourner le dos au monde et s'intéresser à des questions supérieures. C'est cela qui nous amène à parler d'une dernière fonction de la poésie, qui est la fonction métaphysique. Donc là, nous allons aborder, analyser la poésie comme imagination ou bien comme une métaphysique. Et qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est de reconnaître tout simplement que parfois la poésie peut être un refus du réel. En plus de tourner le dos aux questions sociales, politiques, la poésie peut paraître, peut se valoir comme une recherche métaphysique, c'est-à-dire une recherche qui exclut toute démarche rationnelle ou réaliste. Et de ce point de vue, elle s'éloigne de toute emprise matérielle. C'est alors que le poète apparaît comme le moyen idéal, le meilleur moyen, donc la seule opportunité pour suggérer la part de spiritualité ou d'idéalité qui est cachée derrière les apparences. Donc le poète peut être le moyen, peut être la voie pour l'écrivain de révéler au lecteur ce que l'univers a de spirituel, ce que l'univers a de parfait et qui n'est pas souillé par ce monde-ci. C'est ainsi que le poète apparaît chez Rimbaud, Arthur Rimbaud, comme un voyant. Pour Hugo, le poète est un visionnaire. Et pour Charles Baudelaire, le poète apparaît comme un décrypteur, c'est-à-dire un déchiffreur de messages, un déchiffreur de symboles. Ce qui explique un peu d'ailleurs le mouvement symboliste. Et là, le poète apparaît comme celui qui dévoile, qui révèle le mystère de l'univers, mais en passant ou bien en interpellant l'imagination et le rêve chez le lecteur. Cela en passant par le jeu un peu du langage poétique. On pourrait penser à notre corpus de tout à l'heure. Il faut peut-être faire jouer notre imaginaire pour comprendre ce que le poète Senghor a voulu nous révéler de la beauté de la femme lorsqu'il la compare à un fruit, à une savane, à un tam-tam. Autrement dit, tout simplement, dans cette démarche métaphysique, le poète se fait un être supérieur qui est capable de transformer ou même qui transforme le monde par la sublimation, c'est-à-dire par l'exaltation et la purification, en interprétant, en essayant d'interpréter le langage de l'invisible. Donc, dans ce sillage, dans cette démarche métaphysique, le poète sort du langage ordinaire, bien entendu, mais mieux, il se permet d'exalter, en fait, l'invisible à travers un langage tout à fait spécifique. C'est ainsi que, à travers l'un de ses poèmes intitulé L'invitation au voyage, Charles Baudelaire lui-même convie, donc invite le lecteur,
dans un monde idéal, un monde parfait, et qui est bien entendu un monde imaginaire, qu'il se propose de décrire, de peindre comme un endroit, un lieu idyllique, c'est-à-dire un lieu paradisiaque, digne du paradis, un lieu utopique qui fait rêver. Et pourquoi? Parce que ce lieu est caractérisé par la beauté, par le calme, par le luxe. Donc, dans ce poème, L'invitation au voyage, Baudelaire appelle le lecteur à le retrouver dans un monde parfait, donc où tout est beau, où tout est calme, où tout est serein, où tout est luxueux. Ce monde n'existe nulle part que dans cette réalité métaphysique-là. Il faudrait peut-être s'attacher une ceinture philosophique ou prendre un envol philosophique pour comprendre justement cette fonction-là. Et d'ailleurs, pour confirmer cela, Baudelaire soutient ceci en disant, dans un autre poème, il est un pays superbe que je rêve de visiter avec une vieille amie. Un pays où tout est beau, riche, tranquille, honnête. Où la cuisine elle-même est poétique. Je reprends. Il est un pays superbe que je rêve de visiter avec une vieille amie. Un pays où tout est beau, riche, tranquille, honnête, où la cuisine elle-même est poétique. Ce monde ne peut exister que dans l'imaginaire du poète qu'il nous propose d'emprunter. Dans cette dynamique métaphysique et donc imaginaire, Baudelaire s'inscrit toujours à travers son poème Élévation. Et le poète symboliste interpelle, exhorte son esprit à quitter le monde terrestre, c'est-à-dire ce monde sensible et matériel, pour un monde spirituel et céleste. Et lui-même, en s'adressant à son esprit, il dit, Mon esprit, envole-toi loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur. Il poursuit en disant, Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Donc, ces vers sont assez parlants, assez éloquents pour traduire la volonté et le désir du poète d'accéder à un monde idéal grâce au langage poétique, en se débarrassant de toute contrainte matérielle, de toute contrainte sociale, de ce monde que le poète trouve souillé, de ce monde que le poète trouve insalubre. Ce que veut dire d'ailleurs, ce que désigne l'expression miasme morbide. On pourrait voir cette même démarche chez Victor Hugo dans son recueil Les Contemplations au livre 6 qu'il a consacré à la métaphysique. Donc, c'est à consulter puisque ce recueil est au programme. Et donc, à retenir toutefois, pour finir avec cette fonction et avec donc notre étude, que nous pouvons retenir avec cette vocation métaphysique de la poésie ou du poète, que cette démarche métaphysique qui plonge le poète dans l'imaginaire constitue une recherche de l'inconnu. En réalité, ce qui fait du poète un rêveur, un homme complètement isolé et même incompris parce que éloigné des préoccupations quotidiennes de ses semblables. Le poète se voit dans cette démarche-là éloigné de la réalité sociale, de la réalité politique, donc de ce que vivent ses semblables. Il devient donc un marginal, il devient un être maudit. Et Baudelaire lui-même le définit comme cet oiseau albatros dont il parle justement dans son poème L'Albatros. Voilà donc, chers candidats, chères candidates, qui clôt donc cette leçon sur la poésie.
qui nous a amené encore une fois à définir le genre poétique, à le caractériser en dégageant quelques aspects essentiels, à dessiner les axes, les canaux d'inspiration du poète qui mènent justement à ces fonctions que nous venions de traiter, à savoir la poésie dans sa vocation lyrique, la poésie dans sa vocation thérapeutique, la poésie dans une dynamique engagée, dans une dynamique didactique, et également la poésie dans une dynamique esthétique et métaphysique. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Nous vous donnons rendez-vous pour un exercice pratique de dissertation sur la poésie. Merci.